Allez, ça tout le monde, c'est Tazorik Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 19 de notre aventure 100% sur Legend Pokémon Arceus. J'espère que vous allez bien, pour ma part les amis, je vais très bien. C'est au niveau de l'épisode précédent, on avait continué encore nos quêtes secondaires dans lesquelles on en avait pris une nouvelle, on avait pu la rendre. On a un petit peu évolué sur certaines quêtes secondaires, surtout sur l'apparition des flammes étranges. Donc on avait récupéré toutes les flammes étranges qui sont à rusticité. Donc du coup, le prochain objectif est dans les plaines d'obsidienne, qu'on va pouvoir découvrir prochainement. Avant toute chose, on va du coup faire la quête principale. Aller voir Maria, il me semble, ou Marcia. Et peut-être il y a des quêtes secondaires ici. Pas du tout, j'ai pas l'impression. Donc bon, pourquoi pas. Toi, à mon avis, tu voudras rien. On peut peut-être faire notre, on peut peut-être faire nos rapports, mais bon, voilà. Oui, on va lui faire part du coup de Brodrive. Ça au moins c'est fait. 20 points de plus, pourquoi pas. Merci. C'est juste histoire de quoi. Et donc, on va pouvoir monter. Alors toi, non, pas la sacoche, hein, pas maintenant. Je sais pas combien de fois on peut agrandir la sacoche, mais ça coûte de plus en plus cher et c'est même inquiétant. C'est même inquiétant. Au niveau des... Ah oui, c'est vrai que par contre, il y avait une petite quête secondaire à faire là. Enfin, en tout cas... Attendez. Secondaire. Là. Donc c'est où? C'est en bas. Donc on va tenter de parler à elle. Est-ce qu'il faut obligatoirement obtenir les riz ou on est obligé de... Enfin, on peut y parler pour... Mais c'est au sous-sol, mais... D'où il y a un sous-sol ici? Ah, il y a un sous-sol! J'étais même pas au courant. Ah, j'ai jamais été en fait ce côté, je crois. Honnêtement, ils auraient tellement pu mettre des flammes étranges ici, mais bon. Ils les ont pas mis dans le bâtiment. Heureusement, parce que dans les bâtiments, ça aurait été vraiment la merde. Donc, on est au sous-sol. Oh, c'est bien ici. Tiens, c'est toi la nouvelle recrue du corps des chercheurs qui a apaisé le roi de la forêt? Sika t'envoie faire le sale boulot à sa place, je présume. Comme d'habitude. Je vais nous faire gagner du temps tous les deux. Alors écoute-moi bien, il est hors de question que je fournisse quoi que ce soit à la boutique de ce brigand. Voilà, tu peux rentrer chez toi. Fichtre, j'ai déjà bien assez du mal à trouver du riz zélé sans qu'il vienne m'importuner avec sa boutique par-dessus le marché. Apporte un cadeau de la part de Sika Nectar. Ouais, donc il nous faut impérativement les riz zélés. Le problème c'est que je sais pas où avoir ces riz zélés. C'est toujours ça le truc. Du coup, on va... Le cancel pour le moment, enfin, non pas l'annuler, mais je veux dire l'enlever dans notre suivi. Et on va du coup se rendre à Cormier. On va pouvoir se rendre à Cormier. Alors, la petite Marcia, qui est d'ailleurs très magnifique. Hein. Je vois. User King aussi. Mais alors, les Pokémon Monarch ne sont pas les seuls à pouvoir devenir enragés. Admantin et Nahachara ne m'ont rien dit à ce sujet. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir informé de cet événement, enfin de ces événements, Marcia. Notre chef a l'air trop occupé pour s'en charger. Et la gardienne Dieu Sarking veut pas m'écouter. Au final, je peux compter que sur vous. Le gardien Dieu Sarking, la Gena, du clan Perle, celle-là, c'est une vraie tête de pio. Enfin, je veux dire que parmi les gardiens, c'est elle la plus attachée aux traditions. Ok. Cette mission est pour toi, Azurek. Rends-toi au marais Carmine. Ah, justement, on a une quête secondaire à faire là-bas. Pour faire des recherches sur Urzar King. N'hésite pas à employer la force si nécessaire. C'est où? T'es où le marais, machin chose? T'es bien gentil, mais c'est où? Ta prochaine mission est au marais Carmine. Les Pokémon, ils sont nettement plus puissants que ceux des plaines obsidiennes. Ah, c'est une nouvelle contrée. C'est une contrée hostile avec des vallées escarpées et de vestigieuses falaises. Avec ton rat actuel, tu devrais pouvoir explorer le marin Carmin. C'est là-bas que se déroule ta prochaine mission. Va au Rainbow Drive où se trouve Legana, le gardien du Urzar King. Allez à la rencontre de Legana au Rainbow Drive situé. Ok. Alors du coup, on va pouvoir avoir une nouvelle zone du coup. Ouais, mais le problème c'est que. Oh my god, c'est tout aussi. What the fuck? Oh, il y a 3 quêtes secondaires en plus. Oh my fucking god. Objet perdu. Ok. Ouais, mais attendez, mais j'ai même pas fini la première quête secondaire, moi, ils sont bien gentils. J'ai même pas fini la plaine d'obsidienne et les flammes.
Bon, le but là est de faire aussi du scénario. Vous savez quoi? On va faire le fameux scénario. On peut rencontrer de nouveaux Pokémon qui permettront d'évoluer le Pokédex. Si on peut passer d'ailleurs membre étoile numéro 3, ça serait cool. Donc oui, bon, on va le faire. Bah, avant de le faire par contre, avant d'y aller, j'aimerais bien dormir un peu. Donc on va vite dormir dans notre logis. Parce que je veux pas y aller de nuit. Il est hors de question d'y aller de nuit. Donc on va directement dormir jusqu'au matin. Jusqu'au matin, voilà. J'adore le petit détail. Elle enlève carrément ses chaussures. C'est magnifique quand elle est chez elle. Et du coup, évidemment, quand on part, elle les remet. Alors par contre, avant toute chose, ça, c'est super bien. Donc il faut en aucun cas le perdre. Tout déplacer. Donc ça, si possible, on va le mettre là-dedans. Et du coup, en termes de poussière d'étoiles, ça, on va tout déplacer. On a des Pokéballs. Ça va, honnêtement, en termes de Pokéballs. Je pense qu'honnêtement, on est assez cosy. Voilà. Bon. Souhaitez-moi bonne chance, hein, les amis. On va pouvoir, du coup... Ah, d'accord, je comprends. En fait, écoutez ce bruit. Là, vous l'attendez pas. Mais écoutez ce bruit. Donc là, voilà. À partir de là, elle allait. Parce que là, du coup, c'est comme si elle allait vraiment dormir. Là, ah non. J'ai rien dit. Parce qu'en fait, je la voyais toujours pieds nus quand on était sur... ce sol. Donc du coup, quand il y avait ce bruit, il y avait un genre de deuxième bruit derrière. Je me suis dit, ils ont peut-être rajouté un sound effect quand elle met des chaussures. Ça aurait été énorme, mais bon, on dirait pas. En revanche, avant de partir, ce serait bien de se préparer un minimum. Toi, Rizelé, mais j'y pense, tu voulais peut-être acheter quelque chose. Calme-toi, toi. Hein. C'est un peu trop cher. Si tu pouvais réduire tes prix, ça serait pas trop... Enfin, je ne refuserais pas, mais... Et toi, au niveau des confections? On peut faire des Pokéballs, mais... Bon, on va s'en faire peut-être une vingtaine, comme ça, au moins, on les a sur nous. Et on va tenter de voir un petit peu, quoi qu'il en soit. Je voudrais bien que tu... Ok. Alors, méthode. Super remède à pas qui brille, à pas zélé, offensive... Muscle plus, métal, ressources, esquisses de champignons. Ok, bon, ça coûte ultra cher. J'aimerais beaucoup que tu confectionnes la poupée, je sais. Ressources. Tu vois pas du bois, toi, par hasard, non? Non, évidemment. Non, tu m'aurais pas donné à l'émission. Oh, des galets azur. Eh, mais c'est pour faire les super balls, non? Oh, à mon avis, on les croisera dans la prochaine... c'est sûr qu'on les croisera dans la prochaine contrée. À mon avis, plus on va aller de contrée en contrée, plus on va trouver de choses, ou de baies, ou de trucs intéressants. Par contre, j'imagine qu'on ne pourra pas retrouver des baies, des premiers trucs, donc il faudra obligatoirement de retourner à Delphine Obsidienne. Mais bon, vu qu'on a tellement de choses à faire, on doit compléter l'entièreté du Pokédex, trouver les shiny là-bas, donc au final, ça me dérange pas plus que ça. Ou Azurik, ça te dirait un petit entraînement spécial avec moi? Bien sûr, bah écoutez, on va devoir lui affronter son Pokémon. Merci, si j'arrive à faire un bon combat, ça voudrait dire que je suis prêt à continuer mes recherches. Bon, bah les amis, c'est parti. Ah, il a deux Pokémon cette fois-ci. Bon, nous, on en a beaucoup, mais... Ah, mais... Mimugir. Ok. Allez, Ferizon. Garde et... Ouh là là, ok. J'aurais bien aimé... Connaître efficace. Ouais, en fait, ils sont tous efficaces, mais il n'y a pas plus. Ouais, il peut jouer deux fois, donc non. Ouais, là, là, c'est chiant. Qu'il puisse rejouer deux fois, c'est chiant, honnêtement. Donc, on va utiliser un petit flamèche, une capacité spéciale. Pour tenter de brûler. Ah, il veut pas brûler, évidemment. Oulala, oulala. Oh, il a fait mal, hein. Utilise hypnose. Oh non, c'est pas le moment. Ah, épris de somnolence, super. Ne dors pas. Merci. Monsieur Mime, c'est fait. Ne somnole pas. Kawa Pikachu. En revanche, ça pue du cul pour notre cure. Ah ben voilà. Bon ben j'ai dit quoi? Ça pue du cul. Ouais, je m'en doutais, hein, donc bon. Efficace, pas très efficace. Ouais, super. Nous avons un petit Luxion. C'est un Pokémon et type électrique, mais bon, c'est le seul assez puissant que nous avons après, donc. On peut utiliser peut-être un rappel, mais ça me fait chier d'utiliser un rappel pour ça, quoi. Ok, style puissant. Allez.
Pikachu niveau 20 en plus, évidemment. Allez. Ok, midlife. Il va attaque. Aïe, aïe, aïe. Ah, il fait mal, hein. Style puissant. Et du coup, là, logiquement... Parfait. Ah bah putain. Ce combat terminé. Oh non, je vais encore me faire disputer par mon Pikachu. De l'XP. Capacité, ok. Tu es toujours si forte. T'as pas battu un roi pour rien. Tiens, voilà une nouvelle méthode pour toi. Oh. Vous recevez une méthode pour confectionner des solutions furtives. Méthode pour solutions furtives. Ressources requises, un bébé poulon et 3 plantes répulsives. Sinon, t'as peut-être pas remarqué, mais récemment, des distorsions d'impulsion temporelle se sont produites un peu partout. Voyant qu'elle avait l'air de contenir des bons objets, je suis rentré dans l'une d'entre elles. Mais elle était pleine de Pokémon, très fort. J'ai bien cru que j'allais y passer. Alors fais bien attention si tu t'envoies. Enfin, si t'envoies. Sur ce, en route vers le biovac de marée. Des trucs 10% t'as pas à la vie. Et c'est. No, enfin, c'est ta. C'est ton. Enfin, c'est noté. Je sais pas, mais écoutez, je crois qu'on n'a pas le choix, on va y aller. Hein. Alors le but n'est pas d'affronter le prochain gros Pokémon maintenant, je vous le dis. Avant de t'attaquer le combat pour le prochain gros Pokémon, on se préparera bien. Donc ça veut dire qu'on se fera une dizaine de rappels. Voilà, des potions, voilà. Dites-vous que j'ai vu à quoi ressemblait un Pokémon Monarque, le Marais Charme, Carmin. Donc voilà, d'ailleurs magnifique au passage. Voici le Marais Carmin. Ici on trouve entre autres des Pokémon qui utilisent du poison. Super, c'est pas de tout repos ces missions, hein. Oh mais c'est vrai, tu dois aller aux ruines Baudvry, toi. Elles sont par là, regarde, on peut même les voir d'ici. Alors j'aime pas les petits poisons parce que c'est vraiment les pires Pokémon. Ok. Ces distorsions passion temporelles, on sait jamais où ni quand elles vont se produire. Peut-être qu'utiliser la carte pourrait nous aider. Des distorsions spatio-temporelles. Les distorsions spatio-temporelles sont des endroits dangereux où apparaissent de puissants Pokémon. Si vous avez malgré tout le courage de vous y rendre, vous aurez peut-être la chance d'y trouver des Pokémon et des objets particulièrement rares. Poursuivez vos recherches avec entrain. Mais attention quand même, ne pas trop en faire. Et si jamais les Pokémon sauvages vous semblent trop forts, je vous conseille d'aller au dojo de Belia afin d'apprendre de puissantes capacités. Alors, c'est bien gentil, honnêtement c'est super. Ouais, par contre, il y a une quête secondaire, il fallait s'en douter. Oh mais c'est toi la chercheuse dont tout le monde parle au village en ce moment. J'aimerais te demander une faveur si tu n'y vois pas d'inconvénient. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ce gracieux Pokémon nommé Rosalia? Il y a de jolies fleurs en guise de main, une bleue, une rouge, et c'est si élégant, je l'adore. J'aime tellement ce Pokémon que je n'arrive plus à me contenter de l'observer à la plaine d'or. Quand tu auras rempli la page de Pokédex de Rosalia, pourrais-tu venir me le montrer? Allons voir si la rose. Mission secondaire numéro 30. Ok. Bon. Avant toute chose, du coup, vu qu'il y a des trucs type poison, il n'y a pas moyen de... de faire un truc qui permet d'enlever... d'enlever le poison, ça permet de faire disparaître le bruit, des Pokémon sauvages. Du mal à se repérer. En fait, il n'y a pas moyen de faire un truc poison, quoi. Comment je fais pour faire des... Oh là là. Peut-être c'est... Je sais plus comment... C'est un antidote, normalement, mais... On dirait que je ne peux pas apprendre de trucs d'antidote. Bon, là, il y a de nouveaux Pokémon, ça veut dire. C'est bien, c'est super, c'est... Ça m'arrange. Et donc, alors, l'espace temporel, à quoi ça ressemble? Déjà, on n'en trouve aucun. Ah, il y a quand même des échecateurs, hein. On peut le voir, il y a quand même des... Ah non, c'est pas des échecateurs, c'est des machins choses, ok. Pleine d'or. Rosalia. Oh, il y a un petit Pokémon. Oula. Ok. Rose bouton. Spécimen attrapé. Spécimen sans qu'il vous repère. Spécimen attrapé pendant la journée. Spécimen vaincu. Vol vie. Reçu de la nourriture. Spécimen que vous avez fait évoluer. Ok. Alors ça, on peut le récupérer. Ah, c'est du griselé. Ah bah ils sont là. Oh bah super. Oh, il a fui. J'ai tellement pas de chance. Je vous le dis, j'ai tellement pas de chance. Allez, go.
Alors là, du coup, prendre notre monture maintenant, c'est suicidaire, hein, je vous le dis. Donc on n'est pas les Pokémon, donc on n'est pas trop la zone. Donc vaut mieux découvrir la zone comme ça. En revanche, il vient vers moi. Et ça casse les couilles. J'aimerais bien qu'il se retourne. Allez, retourne-toi. Rose bouton. Ah, c'est la merde. Par contre, s'il se retourne pas. Parce que là, il va me repérer, c'est sûr. Là, non. On me repère pas. Alors là, on va pouvoir l'attraper d'ici. Alors là, si je l'ai pas eu là, s'il te plaît. Parfait, spécimen attrapé. Bon, alors là, il y a encore du Rixelé, donc c'est nickel pour la quête. Spécimen qui vous repère. Parfait. Attrapé pendant la journée. Alors là. Alors, c'est vrai, ça aurait été mieux de l'autre côté, mais... Parfait. Heureusement que c'est fait quand même pas mal de Pokéballs, mine de rien. Ah, il y a quand même des Pokémon comme ça, ok. Feuille ronde. Comment ça, feuille ronde? Ok. Tâche rapportée. Alors, évidemment, il faut tenter d'en vaincre. Vaincu. Spécimen vaincu 5. Ah, il n'y en a pas beaucoup à vaincre. Hein. À mon avis, ça veut dire que c'est un Pokémon ultra puissant, j'imagine. Bon, je m'y attends. En revanche... Ouh, attention, on va y aller doucement, ne pas trop... Ah, quand même, aussi, on trouve des... vous voyez, des arbres fruitiers comme ça, mais même de la première plaine. Vous voyez, niveau supérieur, c'est nickel. Spinsaman attrapé... Bon, bah, vous savez quoi? Et voilà, normalement, on l'a instant. Perfect. Niveau supérieur, nouvelle capacité, il peut évoluer ou pas? Non, même pas. Alors du coup, le petit coquac. En fait, ça peut également se trouver dans la région Marais-Carmin. Ah, attendez. Marais-Carmin, on peut voir un Togepi ici. Ok, sur des Kenotor, des Pikachu, des Krixik. Ah, mais en fait, on peut voir pas mal de Pokémon. En fait, j'ai l'impression. Ou peut-être, c'est... Je sais pas. J'ai l'impression qu'on peut voir vraiment pas mal de Pokémon. Bon. Alors par contre, en fait là il y a un Rizelé, mais j'aimerais bien le récupérer. En revanche, je sais pas où sont les flammes, hein. Étrange, je vous le dis. C'est un grand mystère. Ah, c'est ça qu'elle appelle les trucs. Ah non, c'est des plantes. Vite. C'est bon, il m'a pas eu. Pas vu. Attention. Ok. Est-ce que... Dites-moi que j'ai lu du premier coup. Ouais. Parce que j'aurais un seum immense, évidemment. Alors, du coup... Il y a pas mal de Pokémon. Ok. Spécimen attrapé. Spécimen baron. Oh, il y a un baron. Ok. Spécimen de grande taille. Ah, on a attrapé un spécimen de grande taille. Ah bah, c'est la première fois, je crois. C'est un premier Pokémon qu'on a tapé de grande taille. Alors j'imagine bien voir les petits. Bah du coup là on va pouvoir comparer avec les petits du coup. Spécimen vaincu. Vaincu par une capacité. Vaincu par une capacité type vol. Bon bah si une fois que vous avez ralenti. Fois où vous l'avez ralenti avec des mouvements de l'espèce. Ok. Quoi? Attendez. Fois où vous avez ralenti des mouvements de l'espèce. Ah d'accord. Donc grâce à une baie ou quoi. On en a trouvé que un, mais en fait de grande taille ça se repère pas. Parce que en fait j'ai l'impression qu'ils sont tous de grande taille quoi. Ah mais là-bas il y a des. Oh là là. Ouais donc il y a des Pokémon de partout. Hein. Je vous le dis. Ça va être un plaisir de découvrir tout ça. Bon on va y aller petit à petit, hein. De toute façon, comme on avait fait durant la baie obsidienne, voilà. On va y aller petit à petit, sachant qu'on va bientôt s'arrêter en plus. À part ce qu'on a déjà eu. Grande taille attrapée, spécimen vaincu, c'est un quoi? C'est incapacité de type quoi? Je m'en souviens plus. Insecte et plante, donc feu ça serait parfait, donc normalement on pourra vaincre avec notre capacité de type feu. Donc en fait honnêtement je pense qu'on peut tenter de le vaincre. Donc on va tenter de rester sage, parce que là du coup on n'a qu'un truc mais... Voilà, normalement... Pris par surprise. Et là on va pouvoir utiliser une super capacité.
Flamèche. Normalement, là, instant kill. Ou presque, en tout cas. Instant kill. Voilà. C'est bien, quand c'est super efficace, ça se ressent. Voilà, nickel. Capacité de type feu. Non, 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 je me repère pas. On va tenter de l'attraper. Oh, là-bas, on peut voir qu'il y a un minerai bleu. Donc, j'imagine que c'est là-bas qu'on trouvera les trucs... galets azulés, là. En fait, j'aimerais bien qu'ils se retournent. Ah, nickel. Il fallait juste demander. Il fallait juste demander. Et après, on va pouvoir s'arrêter là, après le combat. Capacité et flamèche. Alors, par contre, niveau 20, donc ça veut dire qu'il est un petit peu plus puissant. Enfin, un peu plus, oui, puissant. Oh, bah, instant kill. Comme quoi. Ouais, en fait, vraiment, c'est ultra cheaté quand on a les bons trucs. Bon, les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. La fois prochaine, on continue du coup l'exploration de cette, de ce marais carmin. Qui m'a repéré là? Ah, c'est lui. En fait, c'est l'évolution. Parasinsecte. On sait où il est le baron en plus, donc c'est ça qui est bien. Oh oh, ça pue du cul cette histoire. Ok, attendez, on va fuir. Non, me repérez pas. Voilà, je pense que là on est bon, non? Non mais vraiment, ils vont vraiment me suivre jusqu'à là-bas? J'ai vraiment envie de mourir. Vous savez quoi? Faut vraiment qu'on se mette à l'abri. Donc on va aller assez loin. Et on ne bouge plus. Voilà. Et du coup, bah, les amis, merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 19 de notre aventure. Bah nickel, il y a un petit camp. Numéro 19 de notre aventure 100% sur Legend Pokémon Arceus. On examinera ce feu de camp. Bah attendez, ce sont des restes de feu de camp, oui. On tentera du coup d'avancer un petit peu plus. Hein, on a encore pas mal de chemin à faire pour tenter de se rendre à le souci de Marcia. Donc voilà, j'aimerais bien un petit peu découvrir ça, sachant que... au niveau de la quête secondaire, elle veut qu'on trouve un des Pokémon Roselia. Je sais pas, on n'a pas trouvé de Roselia. Peut-être que c'est un Pokémon qu'on trouve de nuit. Mais allons voir s'il est rose. Ouais, Roselia. Je n'ai pas de Roselia. J'ai pas l'impression d'avoir un Roselia dans notre inventaire. Alors, c'est bien, on a 10 rapports à amener, mais non, je n'ai pas de Roselia. Donc bon, on verra tout ça hein, quand. Quand on pourra, et on tentera du coup de récupérer du coup un nouveau minerai qu'on peut voir là-bas, donc à mon avis c'est le truc zélé là, l'azur pardon, donc je trouve ça, je pense que ça va être assez dingue en termes de récompense, et je vous dis bah du coup à très vite pour de futures vidéos, d'ici là portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace, et on se retrouve du coup bah, évidemment demain, je rêve où c'est le Pokémon Monarque qu'on voit en haut, c'est le petit truc jaune électrique, c'est un Pokémon Monarque, donc j'imagine qu'il y a bien un Pokémon Monarque qui est en haut. Bon, c'est pas pour maintenant, le Pokémon Monarch, j'aimerais bien attendre un petit peu. Allez, du coup, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace!